Vous ne rêvez pas, ces personnes se font masser en pleine rue, au cœur de Paris. Ça donne envie de se faire masser aussi, hein. C'est très original. Vous connaissiez le massage du kiné et les séances bien-être chez l'esthéticienne. Voici la décontraction dans la rue. Mais qui sont ces masseurs d'un nouveau genre? Et surtout, est-ce que ça marche? Bonjour. Vous allez avoir un massage qui dure 10 minutes, ça y est. Un massage relaxant au niveau des épaules, des bras. Cette jeune femme se laisse tenter. Pendant 10 minutes, à même les vêtements, elle se fait masser dos, bras, jambes, visage. Le bruit de la ville est vite oublié. On lâche prise et puis on arrive à faire abstraction, en fait. Ouais, on se demande un peu où on est. Mais non, on n'entend pas, en fait, les gens qui passent. C'est très bien. À l'origine de ce concept de massage un peu fou, il y a André, artiste à la retraite. L'idée lui vient dans son petit studio, devant son ordinateur. J'avais un peu mal au dos, c'était la fin de la journée. J'ai demandé à un copain, j'ai dit, tu veux pas me faire un peu de tripotage du dos, là? Et à peine il a posé les mains sur mon dos, j'ai vraiment eu un flash. L'idée lumineuse d'André, proposer des massages dans la rue. On a mis un petit carton par terre, massage gratuit, à votre bon cœur, monsieur, dame. Hein. Et 2 heures après, j'avais quand même 30 euros dans la poche. Et pour moi, c'était une somme importante à ce moment-là. Donc j'ai dit, on continue. Voilà. Depuis, il se rend tous les jours au bout de sa rue, place de la Contrescarpe, où il rejoint une dizaine de masseurs amateurs comme lui. Parmi eux, Josette, jeune retraitée. Si elle vient tous les jours masser, c'est pour rencontrer des gens et aussi pour gagner un peu d'argent. La moyenne, ça peut être 40, 50 euros, même parfois plus par jour, en fin de semaine. En début de semaine, un peu moins, mais en fin de semaine, il y a des journées qui peuvent aller à 150 euros. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt, j'espère. 150 euros pour 12 heures de massage tout de même. Ici, chacun donne ce qu'il veut. Les masseurs se sont regroupés en associations. L'objectif est avant tout de transmettre l'amour du massage. Tous les jours, André forme une nouvelle recrue à sa méthode. Alors, les trois gestes, il y a la roulette, par exemple. Vous voyez, index majeur, annulaire, auriculaire. Tac, 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 les mains détendues. Il y a les doigts durs, comme ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Et puis, il y a la main à plat, carrément, voilà. On fait celui qu'on veut, le tout, c'est de passer partout. André est autodidacte, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa méthode s'apprend très vite. Après 15 minutes de formation, c'est déjà le moment de passer à l'action. Bonjour, messieurs, petit massage anti-stress. Certains passants sont plutôt sceptiques. Ça m'inspire pas trop confiance, je me méfie. Je me dis pourquoi ça doit être gratuit. Je sais pas. Dans la rue, ça me dérange. Je pense que c'est le lieu qui me dérange. Tout le monde peut très facilement dire « Non, moi, je sais masser. » D'ailleurs, moi, je sais masser, mais j'ai fait aucune école, donc ça ne veut rien dire. Donc là, c'est un peu la même chose. Je me dis « Bon. » Ce massage est-il sans risque? Pour y répondre, nous avons montré les images à Yves Azopardi du Conseil Général des Masseurs Kinésithérapeutes. Pour lui, seul un kiné peut effectuer ce type de massage. La personne malaxe bien les muscles, intervient au niveau des trapèzes et des cervicales. Ce n'est pas anodin. Donc, il peut y avoir danger d'effectuer ce type de pratique lorsque l'on ne connaît pas, lorsqu'on n'a pas une formation médicale. Allons-y, massage gratuit, il y a de la place. Faut en profiter. 10 minutes de détente, garantie. André, en tout cas, croit coûte que coûte en son concept. Aucune des 25 000 personnes massées en 8 ans n'aurait eu de problème. Il prépare même une tournée dans toute la France. Au programme, massage bien sûr, et même chanson anti-stress. Nous sommes les agents anti-stress qui allons quelques caresses vous détendre, étouffer le stress avec tact et délicatesse.